Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo ici pour vous annoncer mon nouveau projet. Alors si vous me suivez ici depuis plus de 3 ans maintenant, vous savez mon amour pour l'alimentation, pour l'écologie, pour le développement personnel et aussi pour l'entrepreneuriat belge, tout ce qui est comment trouver son chemin, que ce soit personnel ou professionnel. Donc du coup, j'ai eu l'envie de lancer un nouveau podcast qui va mettre en lumière en fait des personnes inspirantes autour de ces sujets. Et donc j'avais envie de le partager ici sur YouTube. Alors j'ai récemment posté pas mal de vidéos sur des recettes simples, rapides, économiques avec le moins de déchets possible. Si c'est des choses que vous voulez encore voir sur cette chaîne, je vous invite à mettre des commentaires ci-dessous. J'ai aussi posté pas mal de vlogs, j'ai posté des lives en cuisine ou des choses comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir encore sur cette chaîne, parce que bon là je vais commencer des podcasts avec plein de personnes et ça va me prendre quand même pas mal de temps je pense. Donc je veux savoir quelle est l'énergie que je dois mettre dans les vidéos, l'énergie que je dois mettre dans les podcasts, l'énergie que je dois mettre sur Instagram et tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est quand même hyper important pour moi pour savoir où je dois me diriger. Donc ça serait cool si vous pouvez me faire ça. Et voilà, en fait le premier podcast que j'ai fait c'est avec Fiona Cap sur Instagram. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir son compte. Et elle nous partage tout son parcours en fait, de comment elle a décidé de devenir prof de yoga, comment elle a décidé de suivre une formation de cuisine, de faire de la boxe, de faire du skateboard, elle nous raconte un peu tout son parcours et c'est hyper inspirant. Donc je vous mettrai le lien de mon podcast ci-dessous en commentaire. Le podcast, j'ai oublié de le dire, il s'appelle Light Away. Alors pourquoi Light Away? C'est toute l'idée derrière le mot light en fait que j'ai vraiment sur lequel je me suis raccrochée pendant le confinement, parce que je me suis dit en fait le mot que j'aime bien, que je me dis souvent pour ce que j'ai envie dans ma vie, c'est la légèreté. Donc la légèreté en anglais c'est light, mais light en fait ça veut dire aussi plein d'autres choses. C'est la lumière, toute la lumière dont j'ai besoin en été qui me fait le plus grand bien. C'est aussi toute la clarté, aussi la clarté d'esprit. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir ce mot light dans mon podcast. Mettre en lumière des choses, c'est ce qui m'inspire au quotidien. Enfin, en tout cas, c'est des choses dans lesquelles j'ai beaucoup d'intérêt et j'aime beaucoup parler de choses, de parler de choses profondes avec les gens. Et donc j'avais envie de mettre en lumière des chemins pour inspirer d'autres personnes comme vous qui me suivez sur YouTube par exemple. Et donc voilà, pour vous aider à trouver aussi votre chemin. Donc j'espère que c'est un projet qui vous anime autant que moi. Et je vous laisse avec les deux premiers épisodes et peut-être déjà le troisième si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. J'ai déjà pas mal d'invités que j'ai programmés, donc je vous invite vraiment à rester connecté par rapport à ce podcast et à vous abonner. J'espère que je vais pouvoir tenir sur la longueur, mais en tout cas moi ça me passionne toujours d'avoir plein de nouveaux projets et des choses différentes. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Faites-moi des retours vraiment sur Instagram, c'est hyper important, et même sous les vidéos aussi, pour savoir si je continue, si je continue pas, si ça vous aide vraiment, etc. Parce que c'est mon but. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir commencé ce nouveau projet et d'avoir programmé déjà pas mal d'interviews avec des gens très inspirants. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite d'être de plus en plus épanouie, de profiter de la vie. C'est l'été, donc allons profiter de la chaleur, de la nature, aller faire des balades en vélo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et donc sur ce, je vous fais, comme je dis, des bisous. Profitez de la vie, soyez épanouie. Bisous. Ciao.